Les super mécanimaux partent en mission. Les super mécanimaux, oui, ensemble on peut tout faire. Rex, mécanique costaud. Licorne, mécanique volante. Komodo, mécanique tricolore. Petite souris, mécanique rapide. Sasquatch, mécanique extensible. Les super mécanimaux, mécanique faut pas s'en faire. Ensemble on sait vraiment tout faire. Ensemble on sait vraiment tout faire. L'île des As de la Voltige. Les super mécanimaux partent en mission. Bonjour les mécanimaux. Bonjour petite chouette de l'île. J'ai une mission très importante pour vous. Votre destination est l'île des As de la Voltige. C'est là que les As de la Voltige font la course. Exactement. En fait, c'est l'île tout entière qui est un grand circuit de course. Et les voltigeurs s'apprêtent à avoir une course des plus excitantes. C'est génial. Ils vont parcourir plusieurs fois à toute vitesse ce formidable circuit en vue de remporter la coupe des acrobates. Oh! Mais il y a un problème. Un des coureurs a des ennuis mécaniques. Et pour le moment, il ne peut pas participer à la course. Ça ne va pas, ça. Votre mission est de réparer le voltigeur afin qu'il puisse participer à la course. Mécani, en êtes-vous capable? Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire! On est parti! On y va! On est arrivé sur l'île des As de la Voltige. Oh, regardez, ce sont les voltigeurs. Ces voltigeurs sont de vrais acrobates du ciel. Toi aussi, tu es une acrobate du ciel. Mais je ne suis pas une championne comme eux. Ces voltigeurs sont vraiment très impressionnants. Mais où est celui qui avait des ennuis mécaniques? Oh, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je crois bien que ça venait de là. C'est le voltigeur bleu. Bonjour. C'est toi qui as des ennuis mécaniques? Eh bien, d'après moi, et j'ai toujours raison, ce voltigeur aurait besoin qu'on lui change plusieurs pièces. Il a une aile brisée, un nez à moitié écrasé, et un trou dans son réservoir d'essence. Ne t'en fais pas, on va te remplacer toutes ces pièces, si on en trouve. Dans ces casiers, il y a peut-être des choses dont on pourrait servir. Les super mécanimaux passent à l'action. Génial. Des pièces de rechange. Tu avais raison, petite souris. Très intéressant. Regardez. Moi aussi, je suis un as de la voltige. Sasquatch, non. Ce n'est pas parce que tu tiens des ailes que tu peux voler. Komodo, tu sais, ce n'est pas parce qu'on tient des ailes que l'on peut voler. Tu m'en diras tant. Allez, les amis, il est temps de réparer notre champion. Cette aile mauve ne s'emboîte pas. C'est bizarre, ça. Elle est exactement comme l'autre aile. Même forme, même dimension. Mais si l'aile mauve est exactement comme l'autre aile, elle devrait parfaitement s'emboîter. Regardez, ces deux ailes ne sont pas exactement pareilles. Elles ne sont pas de la même couleur.
C'est vrai, l'aile qui s'emboîte est bleue, tandis que l'aile qui ne s'emboîte pas est mauve. Mais bien sûr, petite souris, tu es un génie. Le voltigeur bleu a besoin de pièces bleues. Eh bien, c'est simple. Allons chercher des pièces bleues. Nous avons les pièces de rechange bleues. Voyons si ça va marcher. Le nez bleu s'emboîte très bien. Et le réservoir d'essence bleue aussi. Tout ce qu'il nous reste à trouver, c'est une aile bleue. Il doit bien y en avoir une quelque part. Là-bas, je vois une aile bleue. Elle est trop haute, je ne peux pas l'atteindre. En plus, elle est coincée. Mes bras ne sont pas assez longs. On a vraiment un problème. Je me demande qui pourrait aller chercher cette aile. Quelqu'un qui aurait des bras très extensibles peut-être. Attendez une minute, je viens d'avoir une idée. Moi, si je m'étirais, je pourrais l'atteindre. Pourquoi est-ce que je n'y avais pas pensé? Poussez-vous! Attention! Place au puissant Sasquatch! Mécanique extensible! Extensible comme un grand singe en caoutchouc. Je vais y arriver. Encore un petit effort. Elle s'emboîte parfaitement. Tu es réparé, mon ami. Maintenant, tu peux y aller. Ça y est, tu es prêt pour la course. Son moteur n'a pas l'air de bien fonctionner. Si on soulevait le capot pour voir. Mais regardez comme c'est sale là-dedans. Pas étonnant que son moteur ne tourne pas bien. La propreté, c'est très important si on veut rester en bonne santé. Il faut que tu brosses ton moteur tous les soirs. Tu me le promets? Oh non! La course va commencer et notre voltigeur n'est toujours pas en état de marche. Surtout, ne te décourage pas. On est là. Il nous faut juste une brosse pour nettoyer ton moteur qui est très sale. Je pense avoir ce qu'il vous faut. Commodo! Mécanique bricoleur! Non? C'est pas ça non plus. Qu'est-ce que ça fait encore là, ça? Ah ah! Et une super brosse pour le moteur à la rescousse! Commodo est le roi des bricoleurs. Et voilà, propre et en parfait état de marche. Regardez comme il va vite. Suivez-moi les amis, allons regarder la course. Je suis tellement excité, la course va bientôt commencer. Non, pas tout de suite, on dirait que les champions sont en train de discuter. Licorne, il t'invite à participer à la course. Non vraiment, vous voulez que je fasse la course avec vous? Je n'arrive pas à y croire, je vais voler avec de vrais as de la voltige. Place à la licorne. Mécanique volante. Youpi, licorne va se mettre en place pour le départ. À vos marques.
si on faisait la course, nous aussi? Sasquatch, non! Rappelle-toi que tu ne peux pas voler! Eh, tu sais quoi? Je ne peux pas voler. Ouais, je sais. Les amis, est-ce qu'on peut regarder la course à la place? Nous, les super mécanimaux, on peut tout